Alors, le stream est lancé. Bienvenue sur la chaîne de la médiathèque de Rezé, en Loire-Atlantique. Je fais juste un petit test pour voir si tout le monde nous entend et nous voit. Et je suis bien sûr, comme tous les autres rendez-vous, c'est Laura, la coordinatrice des actions culturelles. Je suis accompagnée de Clément, ici, qui va être le modérateur et le soutien technique que vous avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière. Et, coucou Clément, est-ce qu'on a des retours des gens qui sont dans le chat, donc qui ont créé un compte sur Twitch et qui peuvent nous dire s'ils nous entendent correctement, si ça va, si c'est pas trop fort ou pas assez. Et puis, dès que tout ça sera calé, on pourra rentrer dans le vif du sujet, car vous allez voir, j'ai une brochette de bibliothécaires autour de moi qui sont prêts à venir déverser leur culture sur vous. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Alors, ça va pour toi le retour, Clément? Pour moi, le retour est bon. On a 14 personnes. Déjà 14 personnes? Bonjour, bienvenue. On m'entend beaucoup. Mais bon, je vais me taire, donc ça ira. Bonjour le chat. Ok, bon. Et bah, pour moi, on est bon. Si on est bon, alors on va commencer tout de suite dans le sujet. Donc, je vais déjà vous présenter ce rendez-vous-là. Re-bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Vous êtes bien sur la chaîne de la médiathèque de Rezé en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, c'est le goûter de la rentrée littéraire. Pourquoi le goûter? Parce qu'il y a une tradition dans cette médiathèque depuis de nombreuses années. Je me tourne vers mes autres collègues qui sont là depuis plus longtemps. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, mais depuis longtemps. On propose à chaque rentrée littéraire un apéro littéraire. Donc c'est une rencontre entre les bibliothécaires et leur public. Et les bibliothécaires, ils partagent leur coup de cœur. Et le tout est suivi d'un apéro, évidemment, sinon ça n'aurait pas lieu d'être. Combien d'occurrences? Ça fait combien d'années? 5 ou 6 années, donc on a ce rendez-vous. C'est un des rendez-vous les plus fréquentés par le public ado-adulte. Coucou Adri, qui est dans le chat. Et donc c'est un peu notre rendez-vous phare, et nous étions... nous avions le cœur gros de devoir renoncer à ce rendez-vous. Et donc... aujourd'hui, nous sommes devant vous cet après-midi pour vous proposer un équivalent. C'est le goûter, c'est plus tôt. Mais ça tombe bien que comme vous êtes en partie confiné, vous allez pouvoir faire la liste de vos cadeaux de Noël, remplir votre liste de lectures et repartir avec des idées plein la tête. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié par ailleurs, Clément? Me dis-tu? Me dirais-tu? Pour moi, c'est bon. Tu peux redire si le son est... Est-ce que le son est bon? N'hésitez pas, pour ceux qui ont un compte Twitch, à nous dire dans le chat si le son est bon. Mais à part ça, on va commencer. Les bibliothécaires autour se tiennent prêts. Ils sont dans les starting blocks. On va parler de littérature et d'actualité littéraire. On va parler de... Oui, donc la rentrée littéraire étant ce phénomène de septembre qui est préparé bien en amont par les éditeurs, les bibliothécaires, dès juin, souvent. Metal Pou nous dit que le son est bon, c'est Julie B. C'est Julie. Pour les collègues. Kid Amnesia qui est là aussi, coucou. Ok, le son est bon, on va commencer alors. Oui, c'est parti pour parler littérature, actualité. Eh bien, est-ce que je vais demander à ma première intervenante d'entrer en scène? Mesdames, messieurs, je vous présente Marie. Bonjour. Alors, Marie, qui va nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter le dernier roman de Lola Lafont, Chaviré. Ouais. Voilà, il est à l'écran, impeccable. Donc, c'est un roman de 200 pages, donc assez rapide à lire. Ouais. Lola Lafont commence à être un petit peu connue. C'est l'auteur notamment de La petite communiste qui ne souriait jamais, qui a été édité en 2014. Et avant d'être... écrivaine, elle a été aussi danseuse, elle est chanteuse, et elle s'intéresse particulièrement à la condition féminine. Alors dans ce roman, on découvre une femme prénommée Cléo. On la suit à travers ses souvenirs qui surgissent des flots, dans un grand désordre chronologique, comme les flots et comme les souvenirs. Les chapitres évoquent tantôt une petite fille apprentie danseuse, et à d'autres moments, une jeune femme brillante, enfin, aimant la brillance, surtout. Et aussi une femme angoissée qu'elle devient plus tard. Et par d'autres moments, une ado, mal dans sa peau. C'est... Tout est dans le désordre, il faut reconstruire.
et on se laisse submerger par ses émotions, ses peurs, ses remords. Elle, la danseuse éprise d'équilibre et de beauté, ce qui paraît un peu contradictoire. Et c'est ça que j'ai aimé, justement. En tant que lecteur, on se met à douter, à ébaucher des scénarios de vie, à juger. Est-elle une victime, voire une complice d'un lourd secret? C'est une question qui revient tout le long du roman. Et c'est ce qui fait son charme aussi, le fait de se poser cette question et de ne pas trouver forcément de réponse. Nous assistons au cheminement interne de Cléo. Nous croyons comprendre quelque chose qui pourtant nous échappe toujours un peu. Le ton, le choix de la langue, les mots précis, même précieux, qui sont dans le même temps, soulèvent un nouveau voile de compréhension et d'interrogation. Et nous poussent à poursuivre la lecture pour mieux comprendre qui est Cléo. C'est un procédé littéraire que j'ai trouvé très puissant et qui crée une tension remarquable au récit. Nous doutons avec Cléo. Elle reste pourtant toujours un peu à distance. Cléo nage en eau trouble et nous entraîne avec elle. Va-t-elle parvenir à se pardonner? C'est toute la question de ce joli roman. Voilà, alors... Tu veux lire un extrait, oui, peut-être? Oui, ouais, je vous propose un petit extrait pour vous donner un petit peu le ton de ce roman. Cela se passe au début du roman. Toute l'année, Cléo s'était appliquée à parler le langage de la danse classique, comme on s'essaye à prendre l'accent d'une langue étrangère sans jamais l'avoir en bouche. Elle avait tenté d'acquérir la préciosité et le regard altier de celle que Madame Nicole leur citait en exemple pour leur classe. Princesse, duchesse, sans succès. À la fin de l'année, Madame Nicole lui avait suggéré autre chose, de la gymnastique peut-être. Cléo ne manquait pas d'énergie, de grâce en revanche. Cléo s'en était retournée à l'amorosité des samedis devant la télé. C'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelant, ces danseurs ondulaient comme des rivières rapides. Il annonçait le générique de l'émission favorite de sa mère, Champs-Élysées. Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseurs qui vont quitter le plateau. Cléo s'approchait du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes. Ces refrains de joie qu'il concluait d'un bond, très loin de l'affectation des domitiles de chez Madame Nicole. Voilà ce qu'elle voulait faire. Dès le premier cours de Modern Jazz à la MJC de Fontenay, Stan l'avait secouée. Prise à bras-le-corps, transportée, il parlait hanches, bassin, bas-ventre, plexus, puissance. Il applaudissait ses élèves lorsqu'il réussissait un enchaînement de pas, vêtu d'un pantalon de jogging et d'un débardeur noir qui laissait voir la naissance des pectoraux. La baie vitrée de la salle se couvrait de buée au bout de 10 minutes. Les murs se constellaient de minuscules gouttelettes de sueur. Les basses des remixes de Grandmaster Flash ou d'Irene Cara saturaient les enceintes. Celle que Cléo surprenait dans le miroir après une diagonale de pas chassé, step touch, spin, n'avait rien d'une duchesse avec sa frange collée au front et ses pommettes cramoisies. Celle que Cléo surprenait dans le miroir avait acquis en quelques semaines la cambrure d'une invite, très loin des raideurs d'adolescentes dédaigneuses qui rentraient le ventre et serraient les fesses chez Madame Nicole. Le soir dans sa chambre, Cléo, Walkman rivé aux oreilles, découpait le temps en tranches de 8. Pompe exécutée contre le mur. 5 et 6 et 7 et 8, série d'abdos. Et 1 et 2 et 3 et 4, équilibre et 7 et 8. Les cours de Stan étaient un mélange de messe, de fête et de concentration. Again! Stan exigeait qu'on reprenne, refasse. La douleur d'un point de côté coupait le souffle de Cléo. Mais la douleur n'était rien d'autre qu'un chemin montueux, une pente. Une fois gravie, ne restait que l'éclat d'une délivrance. Cléo s'appliquait à calquer ce que Stan montrait, à apprivoiser un geste,
qu'il s'imprime aux fibres d'un muscle que Cléo se représentait comme un steak strié de sang corail. C'était là quand le corps renâclait, suppliait qu'il fallait lui en imposer. Voilà, ça vous donne un peu le ton de ce roman. Mystérieuse Cléo. Ouais, de cette mystérieuse Cléo. Et j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Voilà. Ben merci. On va voir si je me tourne vers le chat pour voir. Oui, pardon, Metal Pou pour cette bévue tout à l'heure. Elle trouve que le début se faisait dévorer. Mais que ça s'essoufflait un peu sur la durée, nous dit-elle. N'empêche que c'est un chouette roman. Et alors, et pour les autres, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Je ne sais pas si vous avez déjà lu Lola Lafont. Si ce n'est pas le cas, moi aussi, je recommande. Enfin, autant je n'ai pas lu celui-là, autant La petite communiste. C'est un langage précieux et chouette, quoi. Enfin... Puis ce n'est pas des gros romans, souvent. Ce n'est pas des gros romans. Pas épais, c'est ça que je veux dire. Par... Oui, c'est une lecture, c'est une écriture très contemporaine. Oui, donc c'est ça, ça. On peut se laisser... Alors, pas de questions particulières. On le conseille. Adri, et qu'il ne connaissait point. Et ben voilà, c'est aussi notre boulot de vous faire découvrir ça. Merci Marie. Bien. Eh bien, je vous laisse. Je t'en prie, elle ne part pas très de loin. Et alors, à moins qu'il y ait d'autres questions. Ah oui, Metal Pou nous dit qu'elle avait lu La petite communiste. Et ouais, très forte pour faire des romans fluides et agréables. Effectivement. Alors, on passe, sans plus de transition, notre deuxième invité bibliothécaire. Arthur, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous présenter aujourd'hui Les Dynamiteurs. On peut peut-être changer l'image. Tout à fait. On peut faire une bonne remarque. Alors, je vais un peu dresser le cadre. Nous ne sommes plus à Rosé, ni sur Twitch, en cet après-midi de novembre. Vous êtes désormais à Denver, en 1895. Oubliez le confort de votre maison ou de votre appartement, aussi petit soit-il, et surtout, bouchez-vous le nez, le roman de Benjamin Whitmer nous plonge dans les bas-fonds d'une ville sale et violente. Je vais vous lire un peu la description. C'était un Denver palpitant de corruption. Extirper le vice de Denver, c'était comme essayer de déloger la lune du ciel. Les flics de Denver pouvaient assurer le spectacle en faisant des descentes sur les tables de Faro. Mais aucun d'entre eux n'avait envie d'une ville sans vice. Le vice faisait autant partie de leur vie que de celle de n'importe lequel des grands seigneurs du crime. Alors le gouverneur contournait la flicaille et gérait sa propre police via la Pinkerton Detective Agency qui infiltrait les gangs. Denver, vaste abattoir industriel, de ses parcs à bestiaux jusqu'à ses fonderies. Et les bottoms, les tréfonds, les campements de vagabonds. Après la crise de l'argent de 1893, les mines cessèrent de payer. Les hommes dévalèrent en masse des montagnes et envahirent Denver à la chasse au travail. Mais ils ne purent rien faire d'autre que constater que la plupart des fonderies avaient fermé et que du travail, il n'y en avait pas. Alors ils se sont installés, ils ont mendié, ils se sont nourris d'ordures. Les autorités de la ville ont fait tout ce qu'elles ont pu pour se débarrasser d'eux. Elles ont même convaincu les compagnies de chemin de fer de baisser leurs tarifs, mais peu importe les réductions qu'elles proposaient, personne n'avait assez d'argent pour s'offrir les billets. Alors, la chambre de commerce a acheté un stock de troncs d'arbres pour que les clochards fassent des radeaux et s'en aillent au fil de la plate. Mais les clochards s'en sont servis pour se construire des bidonvilles. Les bottoms, c'est là qu'on vivait. Les orphelins. On squattait une usine métallurgique désaffectée de l'autre côté de la plate, en face de Denver, sur les rives inondables. Là-bas, tout était à l'abandon, à part les villes de toile. La dernière crue avait tout emporté, et après la crise de l'argent, personne ne s'était donné la peine de reconstruire. Presque tout le monde s'était fait balayer, mais pas nous. On a tenu bon, de peu, mais on a tenu bon. Alors, vous aurez compris que Benjamin Whitmer nous emmène à la rencontre d'une bande de gamins des rues, réfugiés dans une usine désaffectée et régulièrement assaillis par des bandes de clochards. À la tête de cette petite troupe de 7-8 marmots, on retrouve Cora, qui est la figure maternelle et protectrice, dont notre héros Sam, qui a 14 ans dans le récit, est évidemment amoureux.
Alors par contre, faut pas s'attendre à du sentimentalisme dans les dynamiteurs. Dans cette Denver crasse et sans pitié, les sentiments sont voilés par la pollution et la fumée des braseros. Le but de Samekora, c'est d'éloigner les petits des crânes de nœuds, comme ils appellent les adultes, ces pourvoyeurs de corruption. Cora avait toujours eu cette règle particulière qui était plus forte que toutes les autres règles mises bout à bout. C'était qu'on ne laisse pas entrer les crânes de nœuds. Ils étaient toujours là, dehors, à rôder, à traîner devant l'usine. Mais on ne les laissait jamais entrer. C'était des crânes de nœuds précisément parce qu'ils avaient le crâne plein de nœuds. Bon, c'était pas compliqué. Ils s'étaient fait complètement embrouiller par tout ce qui les entourait. Par Denver, par leur propre vie. Ils avaient pourri de l'intérieur. Cora comprenait ça. Et elle savait pourquoi. Elle savait que ce n'était pas leur faute, que ça s'était produit lorsqu'ils avaient grandi et atteint l'âge d'entrer dans le monde des crânes de nœuds. Parce que le monde fait de nous tous des crânes de nœuds. C'est pas une chose contre laquelle ils pouvaient lutter, et ce n'était pas une chose contre laquelle on pouvait se prémunir. Le moindre contact avec eux vous distordait. La pourriture qu'ils avaient en eux vous atteignait et vous faisait pourrir vous aussi, comme quand on pose une pomme blette à côté d'une pomme fraîche. Vous pouviez essayer de vous protéger, mais il n'y avait pas d'autre protection que de maintenir un mur entre vous et eux. C'est ce que Cora savait, et c'est pour ça qu'elle empêchait le monde des crânes de nœuds de pénétrer dans l'usine. Mais on ne peut pas vivre éternellement caché des crânes de nœuds dans une ville, dans une cité pleine de saloons, de lupanars et de fumeries d'opium. Et Sam, Cora et la petite troupe amorceront malheureusement la fin de leur utopie, la nuit où un géant défiguré débarque à l'usine et les protège contre un nouvel assaut des clochards qui veulent les déloger. Ils prendront soin de ce géant qui s'appelle Goodnight, un drôle d'homme qui est détruit et bestial et mutique. Il ne dit pas un mot de tout le roman. Et malheureusement, comme je disais, ce premier homme va en amener un autre dans l'usine qui sera à la recherche de Goodnight. Et ce deuxième homme, il s'appelle Cole. Il est tenancier de salle de jeu et il va embaucher Sam, notre héros, parce que Cole ne sait pas lire, Goodnight ne sait pas parler, et du coup Goodnight va écrire des petits mots dans un carnet et ça sera à Sam de transmettre à Cole. Ça va, c'est pas trop compliqué? Moi j'ai suivi, vous dites dans le chat. Et c'est à partir du moment où Sam accepte ce job qu'il va lui aussi entrer dans le monde des crânes de nœuds. Et oui. Et c'est justement en voulant sortir ses protégés qu'il s'expose au vice. Sortir ses protégés de la misère, excusez-moi. Sam, en suivant Cole et Goodnight, qui sont aussi imprévisibles qu'autodestructeurs, il va s'enfoncer dans une terrible guerre dans les quartiers malfamés de Denver, et même au-delà, contre la gigantesque Pinkerton Detective Agency. Pour en revenir au cœur du livre, Les Dynamiteurs, c'est un texte fort et sec, sans fioritures. Il est parfois si taiseux qu'on se surprend à lire deux fois une phrase pour en vraiment saisir l'essence, l'ampleur, en fait, l'étoffe, entre guillemets. C'est pas une belle histoire, c'est pas une histoire d'amour. C'est une plongée étouffante et enivrante. C'est un réel d'une autre époque qui nous explose entre les mains et qui laisse des bouts d'amour éparpillés sur les murs. Eh bien, et oui. Et le dernier extrait. Allez, un dernier extrait, vas-y. J'aurais peut-être dû retourner à Denver. J'aurais peut-être dû essayer une dernière fois de convaincre Cora. Mais je n'avais pas pu m'y résoudre. J'avais été juste assez costaud pour m'en aller une fois. Je n'aurais pas été capable de le refaire. Voilà ce que je pense. Je ne pense pas que la plupart des gens tombent jamais amoureux, pas vraiment. Pour ceux à qui ça arrive, c'est comme de la dynamite dans un café. Ça souffle tout le reste hors de votre vie. Ça ne laisse qu'elle, assise à une table dans un coin, qui vous regarde, splendide, avec ses beaux yeux noirs. Et c'est comme ça chaque jour pour le reste de votre vie. Il n'y a rien qui vaille d'être sauvé, tout est déjà en feu, déjà en cendres. Sauf elle, elle seule. Et quand elle n'est plus là, il n'y a plus rien du tout. Juste un immense espace vide. Tout le reste a brûlé. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Les choses auxquelles on s'accroche trop longtemps. Merci.
Juste vraiment pour finir, le dernier mot, dernier petit point final. En lisant ce livre, ça m'a fait penser à un autre récit que j'avais lu un an auparavant. Ça s'appelle Personne ne gagne. Et c'est les mémoires de Jack Black. C'est édité chez Toussaint Louverture. Jack Black, c'était un hobo, donc un vagabond qui se déplaçait dans les wagons de train de marchandises, qui était aussi cambrioleur et fumeur d'opium, enfin opioman. Oui. Et on retrouve, si vous avez l'œil affûté, on retrouve quelques lieux et quelques personnages des dynamiteurs dans Personne ne gagne. Donc je pense qu'il y a une inspiration de Whitmer. Ça rejoint une question qui était dans le chat, de à quelle époque ça se passe exactement? 1895. C'est ça, donc on est la ruée vers l'or, les choses, même si c'est pas la région. Ça commence à s'industrialiser pas mal. C'est déjà la fin. Oui, on est plus fin du siècle. Ouais. Oui, c'est vrai, j'avais lu Jack Black. Et du coup, ça va être l'inverse. Je vais essayer de retrouver les traces de Jack Black. Il y a Pocatello, la ville de Pocatello, qui est vachement connue des hobos coin. Et Salt Mary Chunky, c'est une receleuse assez haute en couleur qu'on retrouve aussi dans les dynamiteurs. Complètement. Elle m'avait marqué. C'était un personnage haut en couleur, exactement. C'est le mot. Alors, je vais aller me tourner vers le chat. Alors, pardon, je me penche comme ça, mais vous ne me voyez plus. Adrice, effectivement, voit qu'on change complètement d'ambiance avec le roman précédent, ça c'est sûr. Et j'ai répondu sur la période à laquelle ça se passait. Et par ailleurs, on te félicite pour ta présentation. Merci, c'est gentil. Et oui, tout le monde va devenir un crâne de nœud à ce train-là. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est un peu un roman de la désillusion. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que tu dis. Tu préviens, c'est pas une belle histoire. C'est un très beau roman noir. C'est ça, en tout cas. C'est bien écrit, mais c'est noir. Ouais. Merci. Oui, il n'y a pas de quoi. Alors, on va passer à notre troisième bibliothécaire de choc. On va venir enlever la couverture des dynamiteurs. Et on accueille Maëlys. Coucou Maëlys. Bonjour. Alors, j'ai choisi de vous présenter le roman Black Manou de Gauze, publié par le Nouvel Attila. Il est déjà là. Alors, Gauze, c'est un auteur ivoirien qui s'était fait connaître en 2014 avec son premier roman Debout payé, qui racontait la vie d'un vigile ivoirien dans deux magasins à Paris. Celui-ci, c'est son troisième roman, qui raconte l'itinéraire de Black Manou, un ex-junkie ivoirien qui débarque dans le nord-est parisien dans la fin des années 90. Et il arrive là avec un visa d'affaires falsifié et il espère retrouver entre Belleville et la Porte des Lilas son ami et compatriote Gun Morgan, grand chanteur ivoirien d'afro-funk qui est devenu célèbre à Paris. Alors, il va plutôt tomber sur Laskader, son ancien dealer d'Abidjan, qui va l'héberger au squat du Danger. C'est un squat où vivent là des galériens d'un peu partout, des familles, des anarchistes, des marginaux blancs et noirs. Et dans ce squat, il va rencontrer Carole, avec l'aide de qui il ouvrira une guinguette clandestine, un bar, le sans-issue, à l'arrière de son épicerie, l'ivoire exotique. Voilà, donc on va suivre ses aventures parisiennes et on découvrira aussi un peu son passé au détour de quelques retours en arrière. Alors, dans ses pas, on se promène dans les coulisses de Belleville, un quartier où on croise la planète entière. Et le récit nous emmène dans des rues et des lieux improbables qui font vivre des images, des sons, une ambiance. C'est le cas du Moukou, que je vais vous présenter dans un court extrait. Alors, au 234 boulevard de la Villette, un escalier droit mène à une coursive. Bienvenue au Moukou, au lieu des nuits afro-parisiennes, since 1986. Devise, le soleil fait honte. Traduction, la fête n'a pas de limite tant qu'il fait nuit. Le Moukou est le royaume des 4 B. Bière, brochette, bruit, bagarre. La reine-mère s'appelle Guéda, imposante malienne, multitâche, multifonction. Elle cuit les brochettes, vend les bières, assure la musique, met l'ambiance.
et lorsqu'éclate une bagarre, elle-même se charge de vider les belligérants. Beaucoup de gaillards ont redescendu l'escalier en roulé-boulé. Derrière ses airs de matrone indolente, elle a le geste vif et précis sur les hauts sotogaris. La grande fréquentation et la réputation de l'endroit pourraient en faire une version mélaninée des bains-douches, le club du marais. Mais le Moukou est un cloaque. À ciel ouvert, on s'assoit sur des casiers vides, on boit au goulot, même le whisky frelaté. Dans un coin, une chambrette est aménagée en piste de danse. Parfois, elle est tellement pleine que les seuls qui ont de la place pour bouger, ce sont les membranes des haut-parleurs. Ils envoient les décibels sans se soucier du seul et unique voisin, le Parti communiste français. Son dôme et ses murs font écho aux tubes musicaux et aux cris endiablés. Sa pelouse accueille les pipis des mâles qui n'ont pas le temps que se libère l'unique toilette, c'est-à-dire à peu près tous. Boire au Moukou et pisser sur le PCF ? Un Congolais clame « Le Moukou ne vaut rien, mais rien ne vaut le Moukou ». Voilà, ça vous donne une idée un peu de comment Gauze arrive à capter de manière incroyablement juste l'âme d'un lieu. Il en résulte une description assez touchante du nord-est parisien et avec parfois une certaine poésie qui se dégage des lieux qu'on côtoie. Et c'est dans ces lieux qui permettent la rencontre de l'altérité qu'on croise toute une galerie de personnages truculents, hauts en couleur, mais bien réels, authentiques. Et avec beaucoup d'humour et de joie, Gauze nous montre que les petites magouilles et la débrouille sont un véritable creuset d'inventivité et d'intelligence. Il n'y a pas de misérabilisme ici, ni de victime d'un système. On parle pourtant souvent de situations dramatiques, mais toujours avec humour et gaieté. Chaque scénette, même tragique, est dédramatisée par un détail souvent cocasse. Gauze nous montre vraiment qu'on peut rire de tout et que c'est vraiment une des grandes richesses de l'humanité. Voilà, la fin du roman change un petit peu de registre. On passe du rire à l'émotion et on en arrive à avoir envie de relire le texte sous un autre angle. On se rend compte que vraiment Gauze est un fin observateur social, qu'il dépeint à merveille le quotidien de personnes qui vivent et travaillent à nos côtés et qui pourtant restent invisibles. Et finalement, ces trajectoires humaines qu'il dessine en disent plus long que des grands discours. Il décrit la France d'à côté, que personne ne voit, et elle-même générée par une Afrique d'à côté souvent fantasmée. Car c'est aussi un roman donc, qui parle de la France et de son rapport aux étrangers, et pas seulement ceux venus d'Afrique. Gauze surprend dans son approche, il renverse les postures habituelles et se moque des clichés, avec des réflexions qui prennent souvent le contre-pied de la position victimaire de celui qui subit le racisme. On entend par exemple dans la bouche de ces personnages des réflexions intéressantes et pertinentes sur la posture que tout un chacun se donne, différente selon qu'on est seul, dans un groupe ou dans une communauté. Et la force de ce roman pour moi, c'est vraiment qu'il parvient à évoquer des sujets finalement graves ou profonds de façon décalée et joyeuse dans un style qui ne ressemble vraiment à aucun autre. Et en effet, l'incroyable richesse de son écriture, sa verve, sa gouaille crée une langue inventive où les formules à l'emporte-pièce sont souvent drôles et imagées. Voilà, alors le récit est construit autour d'une succession de chapitres très courts, de deux pages souvent, qui se lisent comme autant de scénettes très denses et qui se suffisent à elles-mêmes. Et ce découpage crée un rythme assez soutenu. Les phrases elles-mêmes, extrêmement concises et rythmées, claquent comme pourrait faire un morceau de slam, par exemple. Il y a vraiment une performance de l'écriture. Voilà, donc vous l'aurez compris, je vous conseille vraiment ce livre qui est écrit dans un style à part et qui fait un pas de côté pour raconter l'existence de ceux qui sont mis de côté. Et il y a dans l'écriture de Gauze une énergie unique qui décoiffe et qui, dans le contexte actuel, vous fera prendre un bon bol d'air frais. Voilà. Merci. Ne pars pas tout de suite. On va se pencher sur le chat. Alors déjà, on a Metalpou qui... comment dire, qui est tout à fait d'accord avec ton choix de Gauze. Elle avait beaucoup apprécié de vous payer en premier roman. Et elle dit, chez moi, je perds de temps en temps une seconde de la vidéo. Ah oui, ça c'est une bonne remarque. Si de temps en temps, il y a des...
Et Adric qui nous dit que des chapitres courts, oui, c'est, ça peut être une originalité qui est la bienvenue. Ah oui, des chapitres de 2 pages, ouais, c'est vrai que ça donne tout de suite hein, effectivement la cadence. Quoi. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non, pas de soucis d'un point de vue de la vidéo, tant mieux. Désolée pour Metal Pou. Et ben dans ce cas-là, on va enchaîner. Ouais. Merci. À bientôt. Alors sachez que avant chaque intervention, à chaque fois qu'un collègue entre dans la caméra, Metal Pou scande son nom dans le chat. Ah, Arthur, Maïs. Et donc là, j'accueille Véronique, c'est ça? On va enlever la couverture de Black Manou, je t'en prie, là, si tu veux. Et là, on passe encore à autre chose. C'est décidément une sélection variée qu'on vous a fait là. Vas-y, installe-toi. On a le livre qui s'affiche. Exactement. Moi, tu nous parles quand tu veux, donc voilà. Toi, c'est Saturne, c'est ça? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, moi, j'ai choisi de présenter le roman de Sarah Chiche, Saturne. Vous avez la couverture qui s'affiche aux éditions du Seuil. Donc, Sarah Chiche est auteure, psychologue clinicienne et psychanalyste. Et elle a écrit plusieurs romans. Donc, Saturne est un roman d'autofiction. C'est un roman très littéraire. Et dans ce roman, la narratrice évoque son histoire familiale, la vie de son père et sa propre histoire. Donc, un très bref résumé de l'histoire. Donc, dans ce roman, la narratrice retrace l'histoire de sa famille paternelle. Donc, sa famille paternelle, c'est une famille juive de médecins, également directeurs de cliniques, qui sont rapatriés d'Algérie, donc qui arrivent en France. Et une fois installés en France, ils ont reconstruit un empire médical et ils ont même fait fortune. Alors, l'élément fondateur du livre, c'est la mort en 1977, donc du père de la narratrice, qui s'appelle Harry, qui est médecin. Et il meurt très jeune, donc c'est un événement tragique. Il meurt à 34 ans, en laissant derrière lui sa femme très jeune et sa fille de quelques mois. Donc voilà, c'est la rupture dans le livre. Et la narratrice est très marquée par la mort de ce père qu'elle n'a pas connu en fait. Et dans sa famille, ce qui est encore plus traumatisant, c'est que dans sa famille, je cite un passage, comme elle dit elle-même, « Personne ne m'a dit que mon père était mort ». Donc à la suite de ça, elle évoque sa vie chaotique, enfance et adolescence jusqu'à l'âge adulte, et des relations familiales très conflictuelles et très toxiques avec sa mère, également avec sa famille paternelle, ses grands-parents, son oncle. Et donc, le début de sa vie d'adulte est difficile, avec de la souffrance, de la dépression, mais elle trouvera, au fil du livre, on réalise qu'elle trouve le chemin de la résilience. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le lyrisme très noir qui aborde les thèmes du deuil, l'exil, puisque ce sont des rapatriés en fait, la santé mentale. Et l'auteur arrive à retranscrire avec beaucoup de justesse ses relations familiales qui sont quand même très ambivalentes, qui sont faites d'amour, de haine. Et aussi le caractère ambivalent des personnages qui sont très courageux, très généreux, qui ont accompli des choses extraordinaires dans leur vie. Parce que ce sont des médecins, ils ont fait des choses absolument extraordinaires, ils ont sauvé des vies. Mais à côté de ça, ils font aussi preuve de beaucoup de cruauté, de mensonges dans leurs relations. Et ils ont eu une influence très, très destructrice sur la narratrice lorsqu'elle était enfant. Et là, donc l'auteur réussit vraiment parfaitement à nous immerger dans cette atmosphère familiale très complexe. Et elle décrit bien tous les aspects de cette atmosphère. Et c'est l'atmosphère dans laquelle donc, la narratrice a vécu dans son enfance. Le style de l'auteur est très poétique, lyrique, littéraire et très, très personnel et également très précis dans ses descriptions. Alors j'ai choisi donc un extrait.
qui illustre donc ce lyrisme et ce style très personnel et très poétique aussi, et qui donne surtout des clés pour comprendre le choix du titre, donc Saturne. Pourquoi Saturne ? La symbolique de Saturne occupe une place très importante dans le livre et dans l'imaginaire de la narratrice. Donc cet extrait se situe dans les dernières pages du roman. De Saturne, c'est la narratrice qui parle donc. De Saturne, astre immobile, froid, très éloigné du soleil, on dit que c'est la planète de l'automne et de la mélancolie. Mais Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture, le seul lieu où je puisse habiter. C'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas et que je peux tout à la fois perdre mon père, attendre comme autrefois qu'il revienne et enfin le rejoindre. Et je ne connais pas de joie plus forte. J'entre dans l'automne de Saturne et sur la route où je pars, seul mais avec mon père, seul mais avec ceux que j'aime, seul mais avec les mélancoliques, les amoureux, les endeuillés et les intranquilles, seul mais caché dans la foule des vivants et des morts, tout est perdu, tout va survivre, tout est perdu, tout est sauvé, tout est perdu, tout est splendide. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu le ton et une idée du style de l'auteur, en fait. Et voilà, donc je vous conseille vivement cette lecture. Oui. Mais, c'est très personnel. Hein, c'est ça, ouais, mais justement, c'est bien parce que c'est relié à une question, parce que Adri, une personne dans le chat, demandait, t'as dit autofiction, et il se demandait c'est quoi en fait l'autofiction. Et donc, entre-temps, il y a eu une réponse dans le chat, merci à Metalpou, qui lui disait, ouais, c'est ça, c'est une écriture. On ne peut pas vraiment dire que c'est une autobiographie, mais en même temps... Il faut toujours se méfier de chercher un aspect autobiographique dans les romans d'autofiction, parce qu'il y a forcément une part de fiction, exactement, ouais. Donc une part d'imaginaire, ça ne correspond pas strictement à la réalité, mais je pense qu'il y a forcément des éléments autobiographiques. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a inventé ce mot il y a... Dans les années 80, nous dit Antoine. Et ouais, c'est ça, autofiction, parce que pas autobiographie, pas de la pure fiction non plus, c'est relié à ce qu'a vécu le narrateur. Donc, oui. Mais c'est ça qui en fait la valeur, ouais. Donc toi, c'est ce qui t'a touché. Oui, voilà. Ok. Mais, et puis, en fait, je voulais quand même peut-être très brièvement citer aussi d'autres romans, L'Emprise, les romans récents de l'auteur, qui a écrit 3 romans avant celui-ci, et Les Enténébrés, qui date de 2019. Donc, en fait, elle n'a pas écrit énormément de choses, mais enfin, j'ai parcouru les livres, je ne les ai pas lus entièrement. C'est dans la même veine, autofiction, psychologique et très littéraire, un style très littéraire. Donc, voilà. Et ces livres sont disponibles également, si jamais vous les empruntez, avec le Click and Collect. Évidemment, on va refaire un point à la fin de live complètement, mais tous ces livres-là sont disponibles en papier, réservés, sachant qu'ils sont peut-être déjà empruntés par d'autres. Donc, il faudra être patient, mais ils sont aussi disponibles en ligne numérique. On reviendra sur l'aspect purement pratique à la fin. Ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En numérique aussi, oui, demande. Oui, exactement. Ils sont tous disponibles en numérique. Oui, c'est ça, je me tourne. Notre responsable, tout à fait. Notre responsable. Donc, privilégiez les liseuses dans l'immédiat, c'est ce qui fonctionne le plus sur notre portail à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans le chat? Avec Serge Dubrowski et son roman Fils. Ah oui, Metalpou est en train de creuser le. C'est ça, 1977 pour l'invention du concept et du terme autofiction, nous dit Wikipédia. moi, j'avoue que je n'avais pas du tout cette échelle de temps en tête. Eh bien, merci. S'il n'y a pas de questions, on va passer à Élise. Tu vas nous faire. Non, mais prends ton temps. tu as le temps que je fasse disparaître la couverture et précédente. Et vas-y, je t'en prie, assis-toi. Et alors là, on change encore complètement. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Le livre que je souhaitais vous partager aujourd'hui s'appelle La Cuillère. Voilà, vous avez la petite vignette. C'est un premier roman de Dany Héricourt.
une autrice. Et c'est un roman qui est paru chez Liana Lievi, le même éditeur que La nuit des Béguines d'Alice Skinner, qui était sorti il y a 2 ans de mémoire et que je vous recommande aussi, évidemment, au passage. Alors ce récit, il se situe dans le milieu des années 80. Il est d'ailleurs truffé de plein de références musicales de la décennie, pour les amateurs de musique des années 80. Et il s'agit en fait d'un voyage initiatique d'une jeune galloise, prénommée Sérène, qui vient de perdre son père, et qui s'attache à un petit détail dans la chambre du défunt. Alors que toute la famille est réunie autour de son papa décédé, il y a un éclat d'argent dans la pièce, et c'est l'éclat d'argent d'une cuillère qui est posée dans une tasse de thé que son père a bu la veille. Et ce qui l'intrigue, c'est que cette cuillère est complètement inconnue au bataillon des couverts de l'hôtel familial qui s'appelle l'hôtel des Craves à bec rouge, un oiseau très représenté dans le Pembrokeshire. Ça se situe à la pointe sud-ouest du Pays de Galles. Et d'ailleurs, ce paysage, on l'imagine très bien. On parle du Pays de Galles en fait sur toute la première partie du roman. Et on le visualise très bien avec ces grandes falaises comme ça, balayées par les vents marins. Et puis aussi ce paysage avec les anciennes mines du Pays de Galles. Et on retrouve les mines avec l'expression, le mot, le terril. Le terril, c'est ces monticules d'extrait en fait, de résidus des mines qui marquent le paysage gallois. Et la narratrice l'évoque constamment, ce terril, pour représenter sa tristesse, sa confusion, ses doutes, ce sentiment de peur en fait qui la remplit constamment. Et elle l'évoque comme une masse noire comme ça qui lui colle les côtes, qui lui envahit le plexus. Mais rassurez-vous, ce livre a vraiment un côté très second degré, très un peu humour british, un peu pince sans rire. Et en fait, c'est très 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 chouette, très agréable à lire. Ça fait du bien. Donc hormis effectivement voilà, ce contexte de vie de cette jeune fille qui démarre comme ça son récit. Et sur l'autre partie du roman, elle traverse la Manche et elle gagne la France. Et là, on change un peu d'ambiance, on ressent en fait une espèce de douce chaleur estivale, émancipatrice, de la Bourgogne. La Bourgogne qu'elle rejoint parce que Sérène part à la recherche de l'origine de cette fameuse cuillère. Et en fait, elle part surtout à la recherche d'elle-même. C'est vraiment ça. Cette toute jeune femme de 18 ans, à peine, il faut le dire, complètement un peu paumée, déboussolée, suite à la mort de son père, par la peur de se choisir un chemin, de se reconnaître un avenir possible en tant qu'artiste. Car en effet, Sérène dessine. Et on devine, en fait, à travers les pages, les esquisses qu'elle entreprend, les croquis qu'elle réalise, tout au long de ce périple en Bourgogne. En fait, j'ai vraiment plus m'attacher à la forme qu'au fond de l'histoire, parce que je voudrais vous laisser le plaisir de la découverte de l'intrigue quand vous lirez ce roman, parce que je suis sûre que vous le lirez. Ce récit, en fait, il est également émaillé de plein de petites insertions, en fait, comme des morceaux de notes, de cahiers, qui viendraient être, d'extraits, en fait, qui seraient collés, comme dans un cahier personnel. Soit des pensées, soit des extraits de lecture en fait de la narratrice. Et il y a d'ailleurs des vrais faux extraits de mémoire d'un collectionneur qui disserte largement sur la cuillère, son histoire, son symbolisme. Et c'est quand même plutôt jouissif à lire. En tout cas, c'est assez drôle. Voilà, ces petits extraits comme ça qui viennent un peu comme des pensées en fait de Sérène. Les chapitres sont assez courts, voire concis. Et les titres à chaque fois de ces chapitres sont en fait des extraits, sont des phrases extraites du chapitre. Et il y en a des très très savoureuses. Alors je vous livre deux que j'avais retenues particulièrement. L'effet des champignons sauvages sur l'aristocratie française. Mmh. Et le deuxième, c'est la solitude est une tomate blessée. Voilà, moi j'avais trouvé ça franchement très chouette à lire. Et voilà, ça marque un peu l'esprit de ces textes et de ce récit entrecoupé comme ça de plusieurs chapitres avec des allers-retours entre son périple en Bourgogne et puis la manière dont elle pense de sa famille, dont elle essaye de comprendre l'histoire familiale. Donc c'est très drôle et très agréable à lire. Moi, je souhaitais en fait plus particulièrement aussi vous partager le plaisir que j'ai eu à voir en fait la langue française mise en relief dans ce texte à travers l'apprentissage de la langue par Sérène. C'est un langage en fait un peu presque enfantin parce que c'est un adulte qui apprend une langue.
Et puis, voilà, elle décrypte les sens, les contresens de la langue française, de ses expressions. Et ça fait un peu des petites madeleines comme ça à grignoter. Et c'est vrai que dans ce roman, il y a des vrais moments qui donnent le sentiment de courir, les genoux cagneux dans un pré, les cheveux libres, les joues roses. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression de regarder des vieux polaroïdes, des vieilles photos jaunies, des souvenirs de nos vacances, enfin de mes vacances, je suis un peu plus de cette génération. Et puis il y a quelque chose de presque cinématographique en fait dans la narration. Vraiment, on visualise les choses et on a l'impression d'avoir des halos de lumière un peu chaudes comme ça sur les images. Et voilà, c'était quelque chose qui m'a plus particulièrement marquée dans ce roman. Et puis il y a enfin deux fils rouges autour de choses qui m'évoquent moi une forme de poésie en fait, et à laquelle je suis plus particulièrement personnellement sensible. Il y a la présence d'oiseaux, voilà, qui surgissent comme ça tout au long de l'histoire, comme des petits clins d'œil. Et puis les couleurs. Les couleurs qui sont en fait à chaque fois un écho à son parcours. Et elle évoque d'ailleurs au tout début du récit une petite histoire d'elle petite. Elle vole un nuancier de couleurs donc à son père. Et elle le garde précieusement et elle mémorise en fait le nom des couleurs de ce nuancier. Et elle relie à chaque fois, à chaque moment de son voyage, des couleurs à ses noms en fait, à ce nuancier. Et elle attribue à des moments de son voyage des noms de ces couleurs. Et c'est d'ailleurs donc la dernière page du roman que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui, qui est un inventaire de couleurs et qui se présente un peu comme un résumé de sa quête, de son parcours, de la maturité qui arrive, de la pesanteur qui s'estompe aussi au fur et à mesure, et de la sérénité qui s'installe un petit peu. Je vous lis cet extrait. Nuance, image numéro 2. Il faut savoir que dans le livre, on a un nuance, image numéro 1. Et là, on arrive sur une deuxième étape. La dernière du livre. Bleu de France, satin dans un étui à couvert. Bleu minuit, les yeux de Nanou quand elle raconte une histoire. Bleu horizon, le ciel au bout d'un pré à midi en août. Bleu charron, banc dont le bois est usé. Céruléum, jupon de tzigane. Bleu Tiffany, une tente près d'un lac. Bleu persan, motif sur des tuiles anciennes. Bleu marine, les yeux de papa quand il se concentrait. Blanc lunaire, vénure sur une main de paysan. Cuisse de nymphe, chapeau accroché à un porte-manteau. Blanc de platine, le contour fossilisé d'un lichen. Blanc opalin, moisissure sur le mur d'une cave. Blanc crème, les escarpins de Madeleine. Albâtre, mousse dans les bois. Vert de gris, échelle menant vers un grenier. Givré, grappe de raisin à l'aube. Céladon, une nuisette sur un lit. Vert de vessie, un petit lézard. Vert inaltérable, pierre de lune sur le doigt d'une hippie allemande. Sinople, fond d'écusson où figure un sanglier. Noir animal, trace de charbon entre les rails. Réglisse, bâton sur le marché de Saint-Jean-Gou. Terre d'ombre, le regard de Pierre Onfray. Noir d'aniline, ce qu'on voit quand on se serre les paupières. Sable, golden retriever dans un champ. Soufre, bout de la trompe d'un papillon. Safran, je suis désolée, j'ai la voix qui commence à partir. Safran, peau de miel, Mars, douille rouillée, aile de corbeau, une âme s'en va. Je suis désolée, c'est ma voix qui part, c'est pas l'émotion qui part. Et c'était juste à la fin, au moment où tu parlais du pot de miel. Excusez-moi. Ah, mais merci. Je pense que oui. D'où voilà pour ce roman, voilà, très très surprenant, un peu décalé, voilà, avec cet humour un peu à l'anglaise, vraiment pince sans rire, qui est frais, qui fait un peu de bien aussi, qui donne un peu de chaleur et qui nous emmène qui nous ramène sur des terres un peu plus anciennes de la jeunesse aussi. Et voilà, ça fait du bien. Oui, ouais, oui, carrément. On a aussi besoin de ça, complètement. Et en tout cas, tu l'as vendu à Adri qui, dans le chat, nous dit « ça parle de Bourgogne, c'est bon, je le prends. » On parle un petit peu de vin, mais pas trop. Voilà pour ce moment. Merci. Merci pour votre accueil, Laura. De rien, je ne sais plus quoi dire. Non, merci à toi. Je laisse la suite. Eh bien oui, je vais laisser... Alors, à bientôt. Je vais laisser le temps au bibliothécaire suivant d'arriver. Et si jamais il y a d'autres questions dans le chat, j'attends. Et non, et pendant ce temps-là, Frédéric s'est installé. Bonjour. Frédéric. Voilà, je regarde la caméra. Bonjour. Tu regardes où tu veux. Moi, je regarde la caméra, mais quand je regarde la caméra, il y a des reflets sur les lunettes. Et voilà. Voilà.
Et c'est ça, effectivement. Voilà. Donc bonjour à tous. Tu peux me regarder si tu veux. Je peux aussi te regarder. C'est comme tu préfères. Je vais vous parler d'un drôle d'objet. Vous avez la couverture qui est là. Je remontrerai de plus près aussi. Oui. D'un drôle d'objet, donc un livre de Colum McCann à Pérougon. Voilà. Alors Colum McCann, c'est un auteur qui commence déjà à avoir une certaine réputation. Je n'avais jamais rien lu de lui. J'étais pas a priori très attiré non plus par ces textes comme ça. Je suis pas un grand lecteur de littérature américaine. Enfin, c'est un Irlandais qui vit aux États-Unis. Et qui parle beaucoup d'Irlande. Apparemment, dans tous ses textes précédents, il en parle un petit peu là, même si c'est pas le sujet. Voilà. Donc bon, c'est pas un livre que j'aurais ouvert comme ça a priori. Pas d'attirance particulière. Puis en plus, ça, le titre quand même est pas très 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 engageant et très obscur. Heureusement, l'éditeur a la gentillesse en quatrième de couverture de donner la définition d'un Pérougon, qui est donc une figure géométrique au nombre infini de côtés. Okay. Voilà, ça reste obscur. Ça reste quand même difficile à se figurer. Obscur, hein, voilà. Et puis bon, on a une couverture, en montrant de plus près, on a une couverture. On va venir là. Avec plein de petits... une nuit d'oiseau. Voilà, c'est un peu curieux. Bon. Et puis là où ça devient intéressant, c'est quand on l'ouvre. Oui. Voilà, parce que j'ai quand même parlé de la forme du livre, qui est assez intrigante. Vous l'ouvrez, puis vous voyez que vous avez de multiples fragments. Hop, j'ai mis le bon côté. Voilà. Des multiples fragments qui sont numérotés. Et en fait, en regardant de plus près, vous voyez qu'ils sont numérotés de 1 à 1, de 1 à 500. Oui. Au milieu, il y a un fragment 1001. Et ensuite, on repart de 500 jusqu'à 1. Voilà. Alors moi, je dois avouer que j'ai une attirance pour les livres qui sont construits sur des architectures un peu particulières. Voilà, donc pour le coup, ça m'a intrigué. Puis de temps en temps, il y a des photos aussi, alors qui ne sont pas extraordinaires. Mais bon, voilà, des fois, il y a même des encarts où on ne voit rien. Voilà, ça fait assez troublant. Voilà. 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 Donc voilà, donc on a une forme très spéciale. Et pour le dire tout de suite, c'est pas un labyrinthe. Voilà, c'est pas on n'entre pas dans un point où on serait promené. Voilà. La forme n'a rien de gratuit. C'est pas un labyrinthe. C'est pas un puzzle tout à fait non plus. C'est une sorte de grand kaléidoscope. Et là où la forme se justifie, c'est que finalement, c'est de tourner autour de son objet, de le prendre par tous les bouts possibles et imaginables. Et c'est là qu'on arrive au fond de ce que ça raconte. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte? On suit en fait l'itinéraire de deux personnages qui se trouvent exister, mais Colum McCann les prend comme des modèles. Il s'inspire de leur vie. D'ailleurs, il l'a fait avec leur accord. À un moment dans le livre, il va effectivement retranscrire des propos qu'ont tenus ces personnages lorsqu'il a pu les interviewer. Voilà. Mais ensuite, il est resté très très libre dans sa composition, en accord bien sûr avec les protagonistes. Et donc, il a choisi comme des figures exemplaires d'une situation. Et la situation, nous sommes en Israël et Palestine. Et il suit donc l'itinéraire de deux personnages, l'un palestinien, l'autre israélien, qui se trouvent avoir un point commun, c'est qu'ils ont chacun perdu une enfant. Voilà. Le Palestinien a perdu sa fille qui a été tuée par un garde frontière. Une balle perdue, sait-on vraiment pas. Voilà. Et l'Israélien a perdu une fille à peu près du même âge, une jeune adolescente, dans un attentat suicide. Voilà. Et ces deux hommes se retrouvent parce qu'ils font partie de la même association, deux parents qui ont victimes du conflit. Voilà. Et chacun étant parti de positions extrêmement différentes, se retrouve. Et voilà. Donc, bon, dit comme ça, ça peut paraître très. Ça. C'est pas le livre dont vous êtes le héros, comme le suggérait Nimaël quand tu jouais à savoir quelle était cette structure, quelle était cette architecture. Non, on n'est pas là. On n'est pas là-dessus. Pas du tout. Voilà. C'est bon, voilà, ça y est, on sait où on est, on est un peu plus cadré. Exact. Et pourtant, c'est pas un livre supplémentaire sur le conflit israélo-palestinien, si j'ai bien compris. Non. C'est là aussi que la forme est très très forte, c'est qu'en fait, Colum McCann va tisser des liens dans tous les sens,
Un coup, les personnages vont parler à la première personne, un coup, ils vont parler à la troisième personne, un coup, on va parler d'eux par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, et il va mêler tout un tas d'autres fils historiques, l'histoire de la Palestine. Il y a aussi, alors, Ghulam Makan, il s'en explique un peu dans ses textes, dans sa présentation. Ghulam Makan, il a aussi vécu gamin dans un pays en guerre. Il a vécu dans l'Irlande en guerre. Voilà, donc quelque part, c'est aussi des échos chez lui. Voilà. Donc, il va mêler l'histoire personnelle, la grande histoire entre guillemets, l'histoire de la constitution de l'État d'Israël, le sort des Palestiniens, et puis aussi, c'est là les oiseaux, des éléments complètement étranges. Il se trouve qu'en fait, cette zone géographique est l'un des plus importants points de passage d'oiseaux migrateurs au monde. Voilà. Et donc, il est régulièrement question d'oiseaux migrateurs, et même à cette occasion-là, de François Mitterrand, qui aimait bien manger des ortolans. Ça voilà. Ah oui, voilà. Alors tout ça pourrait avoir l'air, un peu anecdotique et artificiel, si en fait ce n'était pas vraiment porté par un, il y a un souffle comme qui traverse le texte. Tout ça se tient, tout ça est parfaitement cohérent. Et effectivement, dessine un kaléidoscope vraiment puissant autour de toutes ces questions, de tout ça. On n'est pas dans la pitié, on n'est pas à s'apitoyer, on n'est pas voilà. D'un autre côté, il raconte des trucs épouvantables, et en même temps, il y a toujours un souffle d'espoir qui est là, de ces personnages que l'on voit s'obstiner à vouloir tisser des liens et essayer de... voilà. Donc vraiment, il y a une poétique très très forte dans ce texte. Voilà. On est vraiment, c'est parti vraiment pas une poésie, avec des fragments. Alors, comment dire, il y a un côté aussi quantique. Scansion, voilà. Donc en lire un bout, ça n'a pas vraiment de sens non plus. On peut lire la première phrase et quelque part la dernière phrase qui finalement referme le livre. Premier fragment, qui est un peu plus long que... Voilà. Les collines de Jérusalem sont un bain de brume. Voilà. Et là, par une petite description, et ça se termine, façon de refermer la boucle. Mais sans rien clore, en fait, il y a vraiment un... On est vraiment dans une idée aussi d'œuvre ouverte. Oui. Les collines de Jéricho sont un bain d'obscurité. Okay. Voilà. En fait, on est parti un petit peu, on part sur l'itinéraire du personnage israélien, de la Jérusalem partie israélienne, la Jérusalem annexée de toute façon. Et de Jéricho, on arrive à Jéricho, ville palestinienne. Ouais. Voilà. Donc encore une fois, le titre est un petit peu rebutant. Le sujet n'est pas forcément extrêmement facile. Et pourtant, ouais. Voilà. Alors après, il y a un parti pris formel qui est très marqué. Si on adhère à la forme, on est complètement happé. On plonge dedans, on est absorbé jusqu'à la fin. Après, je connais des amis qui pourraient être de grands lecteurs, n'ont pas adhéré à la forme, sont bloqués. Et oui, ils n'ont pas réussi à rentrer. Mais si on accroche, on dévore tout. Vous êtes obligé de l'emprunter ou de l'acheter pour savoir. C'est une technique comme une autre. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je ne crois pas. Effectivement, les gens te suivaient dans ta présentation de la forme. Il y a eu cette hypothèse sur le livre dont vous êtes le héros qui finalement était déceptive, déçue. Non. Mais Metalpo nous dit que c'est poétique et que ça donne envie. Voilà. Un peu l'idée. Notamment la façon dont les oiseaux reviennent constamment, avec des descriptions de la façon dont on les bague, la façon dont on les suit dans leur itinéraire. Voilà. Et puis en même temps, c'est doublé. Il y a une autre image aérienne comme ça, qui a un ballon dirigeable qui apparemment survole constamment à Jérusalem, avec des caméras sur tout le pourtour de la machine de l'aéronef, qui sont capables de distinguer les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui circulent dans un... Voilà. Donc il y a des jeux comme ça de balance et de réseau et de correspondance symbolique et thématique qui sont assez fortes. Voilà, sincèrement. Voilà. Bon, ben merci. Mais je vous en prie. Eh bien, est-ce que je passe la parole à moi-même? Alors, vas-y. Alors. Non, je peux rester alors, là. Passons la parole à toi-même. Et en même temps, j'ai mis mon livre quelque part, par ici.
Donc Laura revient. Voilà, non, mais voilà. Frédéric occupe tout là. À fait l'écran. Par contre, je ne sais pas comment on change la couverture sur le... Ah, aucun problème, ça je vais le faire. J'ai également perdu dans la bataille ma fiche de présentation. Mais ça, on va remettre la main dessus, de toute façon. Comme je l'ai eu... Non, attends, t'inquiète. Il va s'épuiser les bras pour rien, regarde. Magie de la technologie, tout d'un coup, paf. Pof. Ça apparaît. C'est beau, non? Non, c'est moi, j'aurais dû... alors, pour vous donner une idée, les bibliothécaires autour de moi s'agitent, dans mon Dieu, Laura va la passer à feuille. Il fallait que ce soit la présentatrice, évidemment, qui dévoile. Donc oui, merci de m'avoir lancé aussi. On a Joujijo, qui nous dit que ça a l'air vraiment hyper bien. Et ça ressemble... Non, c'est Adri qui se moque de moi, du coup, parce que... De ma maladresse et de mon erreur. Alors moi, effectivement... Laura. Oui, tout à fait, Frédéric. Je vais vous présenter un roman qui s'appelle La Géante, qui est écrit par Laurence Villaine et qui a été édité chez Zulma. Alors celui-là, j'aime bien ce que la maison d'édition Zulma a fait. Et donc, je m'apprêtais à passer un bon moment, disons, en confiance. Mais j'ai été emportée par surprise par celui-là. La géante en question, c'est le surnom qui a été donné à une montagne qu'on devine située dans les Alpes. Et l'action commence en plein hiver dans un village que la géante surplombe. La narratrice, Noël, avec un seul L. Ça compte. Elle a toujours vécu dans ce village où elle fabrique les onguents, les tisanes et les autres remèdes à base de plantes. Elle y vit avec son frère Rimbaud qui marche pieds nus de mars à novembre à peu près, et muet et un peu poète. Et donc c'est cette Noël, cette narratrice, qui s'adresse au lecteur, et c'est pourtant pas la seule voix qu'on entendra dans le roman. Quand Noël ne nous raconte pas ses souvenirs ou bien ce qui se trame au présent sur les pentes de la géante, on découvre, intercalées entre ces passages, des lettres signées d'une certaine Carmen. C'est des lettres qui remontent à l'été précédent, et plus le roman avance, plus les lettres vont se rapprocher du temps présent, du temps de l'action. Et cette Carmen écrit à ce qui se révèle être son amant. Ce sont des lettres touchantes et enflammées. Son amant s'appelle Maxime, sans eux. Et lui est en France, elle est par-delà le globe. Et nous n'avons jamais accès aux réponses de Maxime. On a cette lettre, ce format de correspondance avec la date, ce que lui dit Carmel, et juste sa signature avec son prénom, Carmen. C'est tout. Et je vais tout de suite vous donner un petit aperçu de la scène de départ qui est très frappante, vous allez voir. Quand elle est arrivée au village, on aurait dit une légende, à cause de son manteau jusqu'aux chevilles et le bord des manches plus loin que les doigts. Une légende à cause du brouillard par-dessus, à cause de son bonnet qui ramasse tout, de ses bottines de ville emmaillotées dans des carrés de laine et montées sur des crampons d'un autre siècle. D'où est-ce qu'elle sortait ça? Qu'elle saute? Ce n'est pas parce qu'on vient à la montagne qu'il y a de la neige. Le soleil était à deux doigts de tomber derrière la géante et on aurait dit qu'elle sortait du soir lui-même. Celui de l'hiver, avec ses arbres qui craquent, les cris des bêtes qu'on invente et les portes qu'on barre à cause des histoires que les vieux font courir dans les montagnes. Les sorcières blanches, les survivantes des 100 cascades, le front bleu et du vert à la place des yeux. Ça fait des siècles que les enfants ont ça dans leurs cauchemars. Porca sia miseria, elle faisait survivante, ouais. Le brouillard comme un deuxième manteau par-dessus le sien trop grand. Mais elle n'avait pas le regard vide, comme la vie sans fin. Le sien était droit, même dans le soir qui mord. Je ne l'avais jamais vue, ni en vrai, ni en photo, mais j'ai tout de suite su que c'était elle. Elle savait qu'il fallait attendre le dégel, c'est écrit noir sur blanc dans la lettre. Ici, l'hiver, on n'enterre pas les morts. On les met dans une bergerie ou dans un fenil, par-dessus le mort de la veille, ou celui de l'avant-veille, jusqu'à 4 ou 5 comme ça. Et chacun dans sa boîte attend les hirondelles. Sans doute qu'elle ne savait pas, la terre qui n'est pas meuble, quand bien même la neige a fondu, la rechute des températures malgré les premiers soleils, l'hiver qui part et qui revient, et les dernières engelures et les bronchites des beaux jours avec. Sans doute qu'elle ne savait rien de tout ça. Et elle n'a apparemment pas cherché à en savoir davantage. Elle aurait pu se renseigner avant de venir, et même avant de monter, s'arrêter à la mairie, demander dans la rue, n'importe quel premier venu de la vallée lui aurait expliqué. Mais ça n'aurait rien changé. Parce qu'une caboche comme ça, ça ne plie pas. Ça fait un double nœud assez lacé et ça tient tête au ciel. Ça part sur les routes, qu'il tempête ou qu'il grêle. Personne n'aurait pu l'empêcher, la caboche. Elle a dit non pour la pile jusqu'au printemps. La femme qui monte a dit non
La mort, ça n'attend pas. C'est comme ça que je l'ai appelée quand je l'ai aperçue sur la route des 10 épingles. Elle l'a montée d'une traite, sans faire de pause. Elle n'attendrait pas les hirondelles, non. C'était écrit sur son front. Et dans son allure de légende, Porcaccia Miseria, elle est montée avec une pioche sur l'épaule. C'est moi qui l'avais prévenue, oui. Mais je n'avais pas imaginé une seule seconde qu'elle viendrait. La tête dans son bonnet, sans un cheveu dehors, un sac en plastique pour bagages. Elle a traversé le village sous ses crampons du 19e. Je n'ai pas bronché derrière ma fenêtre. Et bam, voilà, c'est les premières pages. Donc ça vous donne le style qui va être qui va vous porter évidemment tout au long. Style qui est tendu. Oui, oui, complètement, c'est vrai. Je ne l'avais pas noté, tiens. C'est marrant parce que le roman est plutôt... C'est ça que j'avais noté, cette contradiction, c'est-à-dire c'est une ode à la douceur. Ouais. Par contre, les personnages partent par des émotions super intenses et effectivement, le style suit cette intensité. Cette tension. Ouais, complètement. Ouais. C'est ça. Et donc, on apprend dès les premières pages que Noël ne connaît pas Carmen, mais l'a quand même prévenu que quelqu'un était mort, un homme. On imagine que c'est l'amant en question, le Maxime, dont il était question dans les lettres. Et en fait, Noël est intriguée par ce couple. Plus que ça, elle est fascinée, au point où elle va se laisser toucher par leur histoire, pour finalement ne plus être la même à la fin du roman. Grâce à Carmen et à Maxime, Noël nous en dit un peu plus sur sa propre histoire. Parce qu'elle n'est pas juste un personnage mis là en valeur pour... Enfin, qui met en valeur une histoire d'amour, comme ça pourrait être un procédé un peu... Ouais. Classique et voilà, c'est pas du tout une faire-valoir. On apprendra que Noël n'est pas le prénom que lui avaient donné ses parents à sa naissance. On apprendra la raison pour laquelle elle craint le ciel ensoleillé. Et de même qu'elle s'est attachée au couple, le lecteur va s'attacher à cette femme sans âge et son chemin vers le plaisir, vers la douceur. Et la plus importante de toutes les douceurs, celle qu'on doit envers soi-même. Donc l'écriture est tellement poétique, ça peut désorienter parce que la narratrice ne nous dit pas tout. Noël s'exprime beaucoup par ellipse. Il y a plusieurs temporalités qui plus est qui s'imbriquent les unes entre les autres. La correspondance de Carmen avec Maxime, les souvenirs de Noël, et puis le temps présent, enfin le temps de l'action. Ce temps présent où il y a Noël, Rimbaud, Carmen, Maxime. Quand Carmen, après avoir tenté de creuser une tombe au cimetière, se dirige droit vers la géante, comme si elle savait où elle allait, Noël la suit, sans trop savoir pourquoi, par un espèce de réflexe, par un phénomène d'attraction qu'elle ne s'explique pas encore bien. Elle est fascinée par cette femme, ça semble évident pour nous. Et on comprend en fait aussi très vite qu'elle a lu en fait ces lettres qui ne lui étaient pas destinées. Elle a lu les lettres de Carmel, donc elle connaît déjà un peu cette femme quelque part. Et donc je vous lis un autre extrait, je ne résiste pas, il faut que j'aille vite quand même, très très vite. Et évidemment pendant ce temps, pendant que je lisais ma première page, le marque-page est tombé, évidemment. Oh, le temps que tu cherches ta page. Ouais, on va pas y arriver. Laurence Villaine est de la région. Ah, mais oui. Oui, c'est vrai. Effectivement, oui, oui. Voilà. Donc, complètement. Certains de nos auditeurs ont pu peut-être la croiser dans des rencontres, dans les librairies ou dans les petits festivals un peu partout. Là, oui, régulièrement invité. Mais oui, mais tu fais bien de le rajouter. Voilà. Je vais très vite. Elle aurait forcément emprunté celui-là à cause de Saint-Antoine et de ses lauriers. Même si elle ne les connaissait pas, puisque les autres sentiers, on les voyait à peine, à cause de l'hiver ou à cause des arbres en travers. Même le grand eucalyptus, la moitié de ses racines était à l'air. Passé la butte, j'ai dévalé le talus, les poings dans mes hanches, et dans les broussailles, j'ai foncé les bras devant. Diom Madonna ! Elle ne mettait là que des embûches, la Madone. Des gouffres sous des branches dans la poitrine, des faux chemins, des épineux dans les yeux, des troncs couchés comme des soldats morts qui ne font qu'un avec la terre. Ça sent le désespoir, ça sent la bête sauvage dans le bois noir. Les branches tombées ne craquent pas, parce qu'il ne fait jamais sec. Rien ne meurt et les feuilles restent molles. Ça sent le pourri, le jamais fini, les jours et les nuits pareils. Les arbres les plus vieux rapprochent leurs têtes et à leurs pieds, les jeunes rentrent la leur, ils se courbent et piquent du nez. Ils retournent d'où ils viennent et prennent racine là même où ils sont nés. Et ça fait des arcs, des tunnels à fouine. Il faut avoir quatre pattes et des courtes pour passer. Des griffes ou un groin de sanglier. Il faut être une meute de chiens sauvages. J'ai senti le souffle des chiens. Je les entends qui aboient. Toujours ils se préviennent, chacun à son tour, pour faire croire qu'ils sont nombreux. Ils se prennent pour des coyotes, pauvres bêtes. Je ne crains pas vos crocs. Vous pouvez bien m'arracher les mollets, j'ai gueulé après la meute. Qu'est-ce que vous connaissez aux entrailles des hommes? Qu'ils n'essayent pas de s'en prendre à elles, de toute façon, elles mordraient la première. Vous me croiriez, je leur ai dit. Vous me croiriez si vous l'aviez entendu au cimetière. Disparaissez, petite tête.
Vous ne lui ferez pas peur. C'est elle qui hurlera à la mort, les pieds nus dans la glace s'il en reste au sommet, et les chevilles bleues, et ça ressemblera à un chant. J'ai parlé aux cailloux, j'ai donné des coups de pied dans le flanc des chiens. Rebrousser chemin, c'était longer le cimetière, et de l'autre côté du mur, le couvre-lit grenat. C'était aller balayer les cendres du foyer de la maison froide, et comme après une vraie cérémonie d'enterrement, fermer la porte après le café avec les gens. Quand vient l'instant où il n'y a plus de biscuits dans les assiettes, les cafetières sont vides, et il faut laver les tasses et ranger la nappe. Rebrousser chemin, c'était la perdre, et perdre encore une fois. C'était rentrer, réveiller le feu pour personne. Voilà, c'est un roman lumineux qui réussit effectivement à être une ode à la douceur tout en étant très intense. Et c'est aussi très organique, hein. Ça, vos sens sont en éveil, vous sentez le froid jusque dans vos jointures, vous sentez les branches qui vous fouettent les yeux. On dirait un conte aussi. Oui, c'est vrai que ça joue aussi sur une figure un peu sorcière, hein, parce qu'elle prépare des onguents, etc. Il y a de ça. La géante, c'est une montagne qui devient une espèce de déesse un peu quelque part. Donc voilà, je vais aller très vite. Il y a des romans qui racontent des amours tristes. Il y en a plein. Il y a des romans qui racontent des amours niaises, il y en a plein. Mais celui-là, il n'y a pas. Voilà. Et de même que Noël passe son temps au début du roman à fabriquer des fagots pour le bois. Plein, plein de fagots, toujours. À la fin, il est temps pour elle de déposer son fardeau et nous avec, pour continuer plus léger. Voilà. Ah, c'est borgé. Carrément. Ok, d'accord. Oui. Merci. Ah, merci de m'avoir écouté. T'en prie. Avec tout ça, j'ai pas du tout suivi le chat, mais j'ai pas eu signe de Clément, donc ça a l'air hyper bien, mais ça c'était vu. Ouais. Ah, oui. Vous pouvez voir la salle en ébullition pour retrouver sa feuille complètement. Adri disait que j'aimais bien l'écriture, cet extrait donne envie. Bah tant mieux. Ouais. Et puis franchement, c'est pas énorme. Et bien, on va passer à la personne suivante. Oui, Céline, rejoins-nous. Bonjour. Et alors, pendant ce temps-là, je n'ai pas du tout fait apparaître. Si, voilà, je vais faire disparaître. Céline, que vas-tu nous présenter ? Eh bien, je vais vous présenter un premier roman, celui de Dima Abdallah, vous le voyez à l'écran. Il s'agit donc de Mauvaises Herbes, édité chez Sabine Vespizer. Alors, c'est un roman qui m'a vraiment touchée. Il alterne en fait deux voix. Celle d'une petite fille, qu'on va suivre jusqu'à l'âge adulte, et celle de son père. Alors, il n'y a pas de dialogue dans ce livre et les chapitres sont un peu comme des lettres que chacun va s'adresser à soi-même. Alors, l'histoire débute à Beyrouth. On est en 1983. Donc, c'est la guerre civile là-bas, la guerre du Liban. Et en fait, la narratrice, elle a 6 ans. Le premier chapitre est particulièrement saisissant. C'est-à-dire que dès le départ, on rentre dans une écriture qui, je trouve, c'est un souffle, c'est un véritable souffle. On a l'impression que c'est très spontané, en tout cas, comme si ça s'était écrit d'un seul tenant. Et en fait, elle est donc à l'école, les bombes s'approchent de l'établissement. Et elle, en fait, contrairement aux autres enfants qui, eux, pleurent, ont beaucoup d'effroi, hein, ce qui peut se comprendre, elle pleure pas. Et quelque part, elle est intérieurement un peu heureuse de la situation parce qu'elle va finalement rentrer chez elle. Dans ces cas-là, ils appellent les parents. Et là, c'est son géant qui va venir la chercher. Et ce géant, eh ben, c'est son père. On a notre fil. C'est ça. Voilà. Et en fait, ce texte, ben, ce n'est pas une histoire du tout sur la guerre. C'est une histoire d'amour. Mais une histoire d'amour entre père et fille, une admiration sans limite. Et en fait, on va les suivre pendant 36 ans, parce que l'histoire se termine en 2019. Et en fait, dans la famille, pourtant, ils sont quatre. Donc les parents se sont... Enfin, on apprend ce qu'il y a... Il y a beaucoup de non-dits. C'est aussi assez elliptique comme roman. En fait, on apprend qu'ils se sont rencontrés à l'université. Les parents, ils sont, on va les qualifier d'intellectuels. Elle est professeure et journaliste. Lui, il écrit. Il écrit tous les jours, il écrit tout le temps. On apprend par la petite qu'il est poète, mais peut-être plus aussi. C'est assez particulier parce qu'on sait très peu de choses sur la mère et sur le fils, sur les autres personnages du roman. C'est vraiment dans cette bulle du père et de la fille. Alors ça peut déranger. Moi j'ai décidé de ne pas trop m'en occuper, de laisser aussi mon imagination, me dire que finalement, avec la maman, la relation est sans doute apaisée. Parce que finalement, elle ne l'est pas tant que ça avec le papa. Et que c'est vraiment
ces deux personnages qui sont très forts. Et je vais vous lire un extrait, parce que du coup, c'est aussi par la force du texte. Et en fait, la narratrice et sa famille vont bouger beaucoup d'appartements pendant la guerre. Ils n'ont pas de maison fixe. Et à l'âge de 12 ans, elle va partir avec sa mère et son frère à Paris. Ils vont quitter le Liban, mais le père, lui, reste à Beyrouth. Et là, on a quand même l'éclatement de la famille. On ne sait pas tout, mais on imagine qu'elle l'a quitté quand même. Mmh. Voilà, je vous lis un extrait. Donc, c'est le papa qui parle. Pendant 12 ans, je les ai vus tous deux naître et pousser dans cette ruine, l'un après l'autre. Pendant toutes ces années, je les ai regardés faire semblant de ne pas avoir peur. Pendant 12 ans, je les ai vus s'acharner à vouloir respirer ce qui restait d'oxygène. Au diable la patrie, au diable les racines. 12 ans de cage d'escalier, 12 ans d'eau salée, 12 ans de baisser vos têtes. 12 ans à me regarder, moi, m'écrouler comme une tour, une pierre après l'autre, m'effondrer lentement et inexorablement. M'effondrer sur eux. 12 ans à me regarder me morceler, me défragmenter. Ma chute était synchronisée avec celle du pays. Des morceaux de moi se détachaient sur le rythme où les immeubles s'écroulaient. Je devenais aussi toxique que cette ville. Je sentais le soufre et le sang coaguler. De moi coulait la même pollution que celle qui se déversait dans la mer chaque jour. Je me dégageais sur le même tempo que cette ville. Les cris de ceux qu'on torturait jaillissaient de ma bouche et transpiraient de tous les pores de ma peau. 12 ans à assister à la ruine de tout, 12 ans à regarder tout chanceler et puis tomber. C'est bien qu'ils soient partis. Peut-être qu'avec le temps, ils pourront se reconstruire, se construire. Ils sont encore si jeunes. 12 ans dans 1000 maisons, sans jamais être à la maison. 12 ans de maison dans le coffre de la voiture. 12 ans à se demander, la salle de bain, la cage d'escalier ou l'abri. 12 ans d'aucun parti, d'aucun bord, d'aucune milice, d'aucun groupe, d'aucune appartenance, d'aucune confession. 12 ans d'errance. 12 ans où partout ils sont étrangers. 12 ans d'exil, ici, chez nous, jamais chez nous, nulle part. Ils sont déjà partis avant même de partir. Partir n'est pas une histoire de géographie. 12 ans de checkpoint, 12 ans de fermeture d'école, 12 ans d'égout à même la rue. 12 ans de barricade, 12 ans de garde-toi sur le côté, 12 ans d'ouvre ton coffre, 12 ans de donne tes papiers. 12 ans de crépuscule, 12 ans de décadence, 12 ans de déchéance, d'anéantissement de tout. C'est bien qu'il soit parti, d'ici et de moi. Moi, je fais corps avec ce pays. Je suis solidaire de son ravage, de sa défaite. Je l'ai connu avant tout ça, moi, le pays. Nous avons nos souvenirs, nos nostalgies. Nous nous sommes tenus la main tous les deux et nous avons fait route ensemble. C'est bien qu'il soit parti. Ils sont encore jeunes. Fort, hein ? Donc, comme vous l'aurez compris, c'est aussi la poésie de ce texte et toute l'émotion qui s'en dégage qui m'a vraiment plu. Et il y a un côté sombre aussi. Bien sûr, il y a la guerre, mais il y a aussi cette notion de perte qui est très présente, la perte de sa famille, la perte de son pays, la perte de soi un peu, parce qu'en fait, c'est aussi d'où le titre. Après, je m'arrête pour ne pas trop dévoiler, mais ces mauvaises herbes, quelque part, c'est ces deux personnages. Ils sont-elles des mauvaises herbes parce que du coup, tout ce qui est un peu... ils sont très libres. C'est des êtres aussi hypersensibles qui ont... En fait, ils se parlent pas, ils s'écrivent là, enfin, on lit ce qu'ils se disent, ce qu'ils pensent, mais en fait, en réalité, ils se parlent très peu, ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Et le seul lien un petit peu oral qu'ils ont, c'est quand ils parlent des plantes qui poussent sur le balcon. Et il y a un fil botanique comme ça dans le livre, même quand ensuite elle est à Paris, il y a toujours ces plantes sur le balcon. Et en fait, ils ne trouvent pas leur place. Lui, il est d'aucun clan dans cette guerre, d'aucune confession, d'aucune faction. Enfin, et il ne trouve pas sa place parmi les siens. Et elle, c'est pareil, à l'école, elle est un peu comme une étrangère. Et cette liberté, mais faite de souffrance aussi. Et juste une dernière citation d'Agatha Christie pour conclure. « Une mauvaise herbe n'est jamais qu'une herbe qui pousse au mauvais endroit. » Voilà. Ouais, il y avait des gens qui te saluaient dans le chat et puis Adric ici. Ouais, c'était intense comme extrait.
effectivement. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, non. Merci Céline. Ben, merci aussi. Et Catalor aussi nous dit merci. Eh bien, encore une chaise vide à mes côtés. Ah, c'est le signe que nous arrivons gentiment vers la fin de cette séance. Mais quelle fin, quelle apothéose. Alors, doucement. Bonsoir, Antoine, Laura. Bonjour. Alors, je vais enlever... Attends, je vais me mettre dans le champ, ce sera mieux. C'est voilà. Toujours mieux, et puis je vais faire apparaître... De quel roman tu vas nous parler? Alors, je vais vous parler d'un roman de terroir, en fait. Puisque je vais vous parler du dernier livre de Mathias Sénard, qui s'appelle Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs, et qui est un roman... je vais en parler largement, rassurez-vous, mais on pourrait dire que c'est un roman de terroir. C'est un roman qui va s'intéresser à... un terroir, plus particulièrement un terroir qui m'est cher, c'est un peu la raison pour laquelle je l'ai choisi, puisque ça parle du Poitou. Le Poitou au sens large, donc pas le Poitou de l'Atlantique à l'Oural, mais peut-être le Poitou au moins de la Loire à la Gironde. Quoi. Donc un Poitou entendu au sens très très large, on va dire, pour tous les gens qui dans le chat vont dire « Oui, mais là c'est en Vendée de... ». Oh, ok, c'est un peu plus large que ça. Donc Mathias Sénard, c'est pas du tout un inconnu, hein. Il a déjà eu un prix Goncourt des lycéens, d'autres prix... Il a écrit plein de livres. Il nous avait plutôt habitués à situer l'action de ses livres dans des contrées un peu exotiques, Moyen-Orient, ce genre de choses. Là, donc, il a choisi de fixer son récit dans la campagne des Deux-Sèvres, en bordure du Marais Poitevin, plus précisément dans un petit village qui s'appelle La Pierre-Saint-Christophe. J'ai pas vérifié s'il existait vraiment, mais en tout cas, ça se passe en bordure du Marais Poitevin. C'est un livre très copieux, c'est un livre très construit, donc j'ai choisi de vous le présenter en fait de façon chronologique, en vous disant un peu ce qu'on trouve dans les différents chapitres. Ça m'a semblé le plus simple. Donc, au premier chapitre, on va faire la connaissance de David Mazon, qui est doctorant en anthropologie et qui a choisi la Pierre Saint-Christophe comme terrain d'étude pour y étudier la ruralité contemporaine, dans une étude qui, il l'espère, fera de lui le nouveau Claude Lévi-Strauss. Donc on va suivre son journal en fait, de recherche où il indique un peu comment il entend mener cette recherche ethnologique sur qu'est-ce que c'est vivre à la campagne aujourd'hui. Mais très vite, ça va dévier, il va commencer à consigner ses pensées érotiques, ses problèmes matériels très concrets. Il a besoin d'une mobylette pour se déplacer, c'est l'hiver, il y a de la neige, il est coincé, il y a des bestioles qui envahissent sa salle de bain. On va avoir un peu tout ce réel qui va venir contaminer sa recherche. Bon, c'est un tableau assez plaisant d'un intellectuel confronté au monde concret. Par ailleurs, c'est aussi une manière pour l'auteur de nous introduire le décor et les différents personnages de l'action qui va suivre. Mais l'ambition du roman est un peu plus grande, puisqu'assez vite, l'auteur va entreprendre de nous peindre toute la province, tout le terroir, à travers toutes ses dimensions. Donc les chapitres suivants vont nous amener à couvrir une foule d'histoires entrecroisées qui vont, à différentes époques, toujours dans cette même zone géographique, se dérouler et se croiser à travers un procédé assez particulier, puisqu'on va suivre le cycle des réincarnations des personnages. Donc comme dans la métempsycose, les personnages, quand ils meurent, leur âme se réincarne dans une nouvelle enveloppe charnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui vont être tour à tour général romain, sanglier, prêtre, idiot du village ou invertébré. Voilà, donc tous ces personnages vont comme ça, on va suivre des incarnations, on va passer d'un véhicule corporel à un autre, et ça va nous permettre d'avoir des histoires qui sont très entremêlées. Donc au début, c'est un peu confus, parce qu'il y a beaucoup d'histoires et qu'elles ne sont pas racontées dans l'ordre. Donc on voit qu'un personnage qui apparaît à un endroit va réapparaître à un autre endroit, mais sous une autre forme, dans une autre histoire. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un procédé qui va permettre à l'auteur de mêler la petite et la grande histoire. Donc la petite histoire, ça va être des naissances illicites, de la sorcellerie, des mariages malheureux, un instituteur poète incompris, enfin voilà, des histoires vraiment des chroniques de village. Et puis la grande histoire, ça va être les batailles, les rois. Bon, il n'y a pas d'éléphant, mais voilà, il y a quand même... Il y a quand même Clovis, Charles Martel, enfin voilà. On va y trouver aussi des légendes avec la fée Mélusine et du folklore avec des chansons. Il y a un certain nombre de petits chapitres qui viennent comme ça rythmer le récit, qui sont des mises en récit de chansons qu'on connaît bien, comme La Clairefontaine ou Les Prisons de Nantes ou Aux Marches du Palais. Vous apprendrez comme ça que, après s'être jeté à la Loire, le prisonnier des prisons de Nantes accoste à Rezé. Voilà. Pour avant de prendre la clé des champs. La partie centrale du livre va encore plus s'éloigner du réalisme, puisque là, on va être vraiment dans un exercice de style. On va assister au fameux banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs, qui donne son titre au roman. En effet, tous les ans, à Pâques, durant 3 jours, vous l'ignoriez peut-être, mais la mort prend des vacances. Donc plus personne ne meurt,
Et du coup, les fossoyeurs sont libérés du fardeau d'enterrer les gens et eux aussi peuvent prendre des vacances. Et donc, ils en profitent pour organiser leur banquet annuel dans un lieu différent tous les ans. Il se trouve que cette année, ça se passe à l'abbaye de Maizet, puisque c'est organisé par Martial Pouvreau. Martial Pouvreau, il est à la fois maire de la Pierre Saint-Christophe et croque-mort du village. Donc, c'est lui qui a organisé le banquet cette année à l'abbaye de Maizet, qui est connue pour être une abbaye où a séjourné Rabelais. Et qui lui a servi de modèle pour sa fameuse abbaye de Thélème. Donc on va assister au banquet par le menu. Alors c'est un banquet dans lequel va y avoir des joutes oratoires avec des personnages très hauts en couleur, des croque-morts de différentes régions de France qui ont des noms truculents comme Sèchepine, Gros Mollard. Il y a un Vendéen qui s'appelle Poireau d'eau qui est très féru de légendes et de folklore qui va raconter l'histoire de la fée Mélusine. Et tout ça avec énormément, mais voilà, vraiment, croyez-moi, là, l'adjectif pantagruélique, vraiment, ça s'applique. Il y a énormément de recettes, enfin, il y a vraiment énormément de choses à manger, de choses à boire. C'est un chapitre qui, moi, m'a donné envie de manger et de boire tout le temps. Enfin, je salivais en le lisant, vraiment, c'est très appétissant. C'est un chapitre comme ça qui va un peu être la clé de voûte, puisqu'on est dans l'art roman, hein, on a une clé de voûte, c'est la clé de voûte du roman. Ça, c'est donc la partie centrale. Le récit va reprendre sur son histoire de cycle d'incarnation et il va y avoir une assez longue partie où on va ensuite avoir la résolution de toutes les intrigues qui s'étaient lancées dans la deuxième partie du roman. Donc toutes ces histoires de village, toutes ces histoires toutes les histoires de ce terroir vont trouver leur résolution. Tous les destins vont se résoudre. Et on va avoir au passage, ça va cocher toutes les cases du bingo folklorique de Poitou-Charentes. Là, on s'attendrait presque à avoir la mention, ce roman a bénéficié du soutien de la région, parce que vraiment, il y a le farci poitevin, les mojettes, le broyé du Poitou, enfin voilà, il y a une déposition au tribunal entièrement écrite en picto saintongé, enfin voilà, là il y a le côté, enfin, les gens qui connaissent la région, ils retrouveront des repères, et les gens qui aiment l'exotisme verront que ça, on peut trouver l'exotisme aussi, on n'a pas besoin d'aller au Moyen-Orient, on peut trouver l'exotisme aussi dans des régions rurales de la France d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous dévoiler la fin du roman, mais sachez qu'on va revenir au personnage du début, on va revenir au personnage de David Mazon, et qu'il ne deviendra jamais le nouveau Lévi-Strauss, qui va même probablement renoncer à finir sa thèse, mais que c'est tout de même sur une fin heureuse et optimiste que va se conclure le roman, que David Mazon va développer énormément de liens avec les habitants de la Pierre Saint-Christophe et va s'y intégrer d'une manière que je vous laisserai découvrir. C'est donc une fin heureuse et optimiste, et c'est important de le dire, et ça va avec la tonalité générale du livre, qui même s'il raconte un certain nombre d'histoires, dont certains sont assez atroces, est un livre assez joyeux dans l'ensemble. Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, vous l'aurez compris, c'est un roman qui est baroque, qui est foisonnant, qui est extrêmement construit, et qui va marier les styles. Il y a du journal de recherche, il y a la description d'une partie de belote, il y a tout un chapitre, c'est la description d'une partie de belote, on voit les cartes, on sait quel personnage a quelle carte en main, et le jeu de belote va faire naître des histoires. Il y a des vieilles chansons, il y a des joutes oratoires, donc c'est un roman qui est occupé en son centre par cette espèce d'allégorie étrange de fossoyeurs en vacances qui se font péter la panse en déclamant de la poésie, et qui affirme la puissance de la vie et l'omniprésence de la mort. Donc c'est un roman vivant, tout simplement. Que je vous recommande vraiment, vraiment. J'ai pris énormément de plaisir à le lire. C'est assez voilà. Ressenti. j'ai pas réussi à choisir de passage à vous lire. C'est très, très difficile d'isoler un passage, puisque c'est un roman qui est vraiment tissé et où les passages se répondent tous les uns les autres. Et c'est quasiment impossible, sauf à vraiment charcuter le texte en enlevant des bouts, de faire un ensemble, de prélever un ensemble sans qu'il soit plein de morceaux incompréhensibles, parce qu'il se rapporte à d'autres chapitres. Donc voilà, j'ai pas réussi à vous en choisir un extrait. C'est pas grave, Adrie dit que de toute façon il aime bien quand ça parle cuisine et nourriture dans les œuvres. Mais Talpou se demande s'il y a Ségolène Royal dedans, puisqu'on parle du Poitou. Non, il n'y a ni Ségolène Royal ni Raffarin. Mais il y a plein de grands hommes locaux malgré tout. Enfin, je crois qu'il n'y a ni Ségolène Royal ni Raffarin, ni Mitterrand d'ailleurs, il me semble. Enfin voilà, il n'y a pas les grands hommes politiques du terroir. Mais il y a quand même Cathé Leher qui dit chouette merci et que ça avait l'air intéressant. Ouais, salut. Je confirme, ça donne envie. Mais merci. Eh bien, il est 17h30, ça fait une heure et demie que nous sommes ensemble, dites donc. Ça va les collègues, vous êtes bien? Oui, je ne vous entends pas. Merci Dimitri Talpou. Alors Clément, combien sommes-nous en ce moment?
Là, il y a 19 personnes actuellement qui 19 personnes. Merci à ceux qui sont là. Il y a des gens qui nous ont rejoints. D'ailleurs, il y a Tarkan 10 qui nous avait rejoint en cours de route. Bienvenue qui s'est arrivé en cours de route. Si vous voulez apparaître derrière moi pour la fin, c'est possible aussi. Je voulais juste faire un dernier appel sur... ok, c'était bien joli de nous présenter tout ça, mais maintenant, on fait comment pour les lire? C'est très simple. Ah, très, très bonne question. Vous pouvez, évidemment, aller sur les réserver sur le site de la médiathèque, sachant que en ce moment, le temps de délai pour l'obtenir va être un peu plus long que d'habitude. Vous pouvez les emprunter sous la forme d'un livre numérique. Et sinon, vous pouvez aussi soutenir les libraires locaux en allant sur les sites comme Place des Libraires ou Alip. Alors ça, je veux bien que tu mettes, s'il te plaît, Clément, le Alip. AILIP comme Association des Libraires Indépendants des Pays de la Loire. C'est... Oh, mais Talpou est au taquet. Merci. Merci à toi. Non, mais c'est important parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais vous pouvez commander vos livres pour les recevoir chez vous, en plus du click and collect, qui n'est pas toujours une solution possible pour tous les libraires, parce qu'elle est très exigeante. Donc, Metal Pou en profite pour dire que vous êtes beau. Et donc, vous pouvez commander un livre et le recevoir depuis chez vous. D'autant qu'en ce moment, vous aurez des frais de port minimes. Donc, ne vous en privez pas. Ça soutient les libraires locaux, donc ça a du sens. Les frais de port sont à 1 centime. C'est ça, oui, voilà. Avec le soutien du gouvernement. Exactement, il y a eu un soutien du gouvernement pour les libraires pour qu'ils puissent concurrencer d'autres plateformes qui avaient des coûts de livraison ridicules. Et donc, voilà, le coût de livraison est à 1 centime. Donc, vraiment, ne vous en privez pas. C'est une liste que vous allez retrouver, d'ailleurs, incessamment sous peu, je vous le promets, sur le site de la médiathèque, avec toute la liste des livres qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous retrouvez de toute façon la vidéo en replay. Il faudrait que je me fasse plus petite, voilà. En replay sur notre chaîne YouTube, Médiathèque d'Hydrault. Vous nous cherchez sur YouTube. Qu'aurais-je oublié? Oui, peut-être le click et collect déjà aussi. Oui, parce que, en plus de venir vous faire des rendez-vous à distance, les bibliothécaires ouvrent les mercredis et samedis après-midi. Vous pouvez commander soit en ligne depuis le site internet si vous avez une carte chez nous, soit en nous téléphonant pour soit prendre un livre ou un DVD, un document précis que vous avez en tête et venir les récupérer. C'est juste limité à 5 par rapport à d'habitude. C'est un peu plus léger. Et si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez emprunter, vous avez quand même envie de lire, vous pouvez demander un panier surprise à ces bibliothécaires ici présents, qui, vous les avez vus, ont des goûts sûrs. Et donc, faites-leur confiance, ils vous dégoteront des choses. Vous pourrez dire, si vous voulez, de la science-fiction, du policier, etc. Donc, ils vous feront des paniers sur mesure. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Le prochain rendez-vous, comme dit Arthur, peut-être, est-ce qu'il est prévu? Alors non, c'est une très bonne question. Nous avons évidemment, nous avons évidemment dans nos besaces plein de projets de rendez-vous. D'ailleurs, si les roséens ou roséennes ont des idées, qu'ils n'hésitent pas à nous les transmettre. Mais la semaine prochaine, la chaîne Twitch prend un petit temps d'arrêt, juste pour se donner le temps de voir quelle est l'évolution du contexte sanitaire, est-ce qu'on réouvre ou pas. Mais évidemment qu'on va revenir en décembre pour au moins une émission. Mais on a des choses qui nous reviennent en tête. Alors voilà, les gens nous disent des choses. On est fort et beau. C'est important à dire. Ah ouais, Catel Oer nous dit il manque juste les petits fours, qui sont normalement la marque de fabrique de l'apéro littéraire à la médiathèque d'Hydro. On est d'accord, ça manque. Hein, mais merci pour votre implication à maintenir ce rendez-vous, dit-elle. Donc avec un cœur violet. Voilà, c'est important. Tout en 44 qui nous dit merci pour ces éclats de bonheur à venir quand nous tiendrons ces livres ou la liseuse entre nos mains, confort extraordinaire. C'est-il pas beau? Oui, on a essayé les petits fours virtuels, mais là, pour le coup, c'est compliqué. Donc, merci vraiment beaucoup à vous. C'était agréable, enfin pour moi en tout cas, j'espère pour vous aussi. Merci Laura. Rendez-vous bientôt pour un autre rendez-vous Twitch. Je peux donner des mots-clés peut-être pour donner envie. Quiz musical, course Wikipédia. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Merci à tout le monde. Rendez-vous sur la chaîne Twitch pour les rediffusions des rendez-vous précédents. En attendant, vous aurez de quoi vous occuper la semaine prochaine. Vous ne serez pas tout seul. Et puis, j'ai dit Twitch. Et non, puisque sur Twitch, les vidéos sont effacées tous les 15 jours. Et donc, les rediffusions, vous les trouvez sur notre chaîne YouTube. Et merci les collègues. Et voilà, et puis peut-être si vous passez nous voir quand vous faites du click and collect, on aura le plaisir de vous dire bonjour de vive voix.
Clément met les derniers liens. Je vous salue. Enfin, on vous salue tous, d'ailleurs. On vous salue. Oui. Ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux. Au revoir, les gens. Merci de nous avoir suivis. Allez, je raccroche.